inside the depths of stone. Voice will echo me, don't frown. Ruled by the laws above, nature shows me, makes me taught. Toi mon pépère, ouais. Je crois que t'as eu les yeux plus gros que le ventre là. Hein. Poisson, putain, il m'a pris en deux fois. En fait, je l'ai senti pousser leurre au départ, tu sais. Et après, il est venu, il est venu prendre. Là, il n'y a que des poissons. Mais c'est petit, tu vois. C'est que des... Ouais, c'est pour ça qu'il s'est... pour ça que c'était bizarre, il s'est harponné. Ouais, là, c'est que des poissons qui ne feraient pas ça. Hein. T'as ta pince, Arnaud ? Ouais, elle est... Vraiment tout petit, hein. Ouais, bah comme le premier. Hein. T'as une touche ? Putain, c'est un truc de ouf quoi. Ça en est gavé là, je pense qu'il y en a plein. T'as la bonne couleur là. Vous avez sorti ce matin aussi. Je crois trop à ce coloris quoi. Ah bah ouais, c'est. Pour ce valeur sûre. Moi j'ai mis un truc un peu pétard là, tu vois. Ouais, bah de toute façon, ça c'est pétard aussi un ça. Un coloris, une sorte de fire tiger très clair. Il y a vraiment pas de lumière, tout est sombre. Ouais, de toute façon, il faut pêcher pétard là. Puis je me dis sur des poissons un peu apathiques, des fois, tu sais, hein, par agressivité. Je viens de faire une demi-heure, une heure de... Mais t'avais une touche avec ton petit coloris brochet là. On l'a fait, on l'a voilà, passant de 45 là. En remontant là, j'ai pris un toc. Ouais, mais là, c'est zéro activité. Le nombre de petits tocs qu'on prend, enfin, ouais. Le truc là, le truc inférable. Ah, quand on les prend, c'est des poissons de 45 quoi. Ouais. Truc, et encore pris par le bout de la gueule. Ils ont la gueule fermée, c'est incroyable. C'est un truc de dingue. Juste là, il y a 8 mètres, tu vois, au virage, là, c'est le virage de la fosse. Hop, ça remonte et ça passe à 3 mètres. Là. Et puis là, il y a un petit plateau, en fait, qui est sur le côté. Là. Et j'ai l'impression que le courant, il passe, à côté, alors que normalement, il passe dessus. Là. Donc, on va mettre un petit coup là, vite fait, pour voir ce que ça donne. Voir si les poissons, ils sont à l'extérieur du courant. À l'extérieur du courant, ouais, c'est... Thank you.
Et genre un poisson de 70, un poisson de 78, un poisson de 83, ça n'existe pas ici quoi. Hein. C'est... Même taille? Ah oui, même taille. T'as vu, c'était vraiment... Il y avait des zones localisées où il y avait un petit peu d'activité, des petits poissons, et puis tu sais pas pourquoi au milieu tu prends un gros, regarde ton poisson qui est un joli... Ouais, bah écoute, la pyramide des âges est super mal représentée. Mmh. C'est ou que des petits poissons qui ne feraient pas encore, donc que des poissons 45, 50, 55, peut-être le plus gros on l'a fait, il faisait 58, on en a fait quand même pas mal, mine de rien. Et puis au milieu, là, il y a deux gros poissons qui sont là, qui eux avaient dû finir de frayer, je pense. Bon, voilà. Par contre, sur ce qui était intéressant aussi, c'était la taille des leurres. Parce qu'à un moment, moi, j'ai pêché avec un prototype là, d'un glide bait. Toi, tu as pêché avec un leurre de 16 cm aussi au super shallow. Ouais, au super shallow. Et c'était moyen. Et quand tu es passé au Twitching Rap 12 et que moi, je suis passé au Shadow Rap 11, les touches étaient un peu plus franches. Mais ça mangeait petit, quoi. Ça mangeait plus petit. Enfin, en tout cas, on arrivait plus à concrétiser les touches sur cette taille-là, quoi. Que tu veux faire? Tu veux repasser là-bas? On va traverser. On va rentrer dans l'autre partie du réseau. Donc en fait c'est des plus petits lacs au début et derrière et ça finit par deux grands lacs là qui font 300 hectares chacun en forme de Y. Ça peut... Je pense que c'est protégé du vent. Ouais, il y a des parties qui sont plus protégées du vent. Et il y a un endroit où je pense là, il y a une espèce d'atoll où les poissons rentrent pour frayer en plein milieu de l'eau. Peut-être qu'avec un peu de chance ils sont dessus en attente là. Parce que là il suffirait d'un degré de plus pour que les poissons... Ouais, il suffirait de rien là. Ouais. Si on passe bande ouest, c'est badaboum, sûr et certain. Enfin, quasiment sûr. Allez, voilà. Poisson. Super. Tu veux l'épuisette? Ouais. Déjà mieux, mais... Tu veux l'épuiser quand même ou tu vas prendre la main? Je fais voir. Pas bien vu. Ouais, s'il n'est pas tout épuisé quand même. Et on l'épuise? Ouais. Ah, j'ai le vent qui se prend dans la... le vent qui se prend dans l'épuisette. Ah, c'est un beau poisson. Oui. Ça valait le coup de prendre l'épuisette, ouais. Ça valait le coup de prendre l'épuisette. Putain, je pouvais plus. Oh, super. Cool. Cool. Ah, bah, il a bien coffré. Hein. Celui-là, il a pas fait semblant. Non. Non, non. Moi, c'est un joli poisson. Moi j'ai été agréablement surpris par les nouveaux coloris là, ce coloris vintage perche là, je t'en avais parlé, j'avais très très hâte de le mettre dans l'eau. Un grand classique de Rapala qui a été remis sur des leurres modernes. Ouais, je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'était un super coloris, c'est toujours un super coloris, les poissons ils le voient pas comme nous, donc je suis content parce que ça a payé, j'étais sûr qu'on allait faire un truc bien avec ça, j'ai hâte de voir ce que va donner la suite de la saison. Bon, en tout cas, je suis content de t'avoir montré c'était sympa, parce que c'était une belle zone. Et d'ailleurs, ce grand plateau là avec les potamos, je me dis que quand les poissons doivent être en feu, ça doit être... C'est une zone extraordinaire. Ouais. Ça se passe, en fait, il faut que les poissons blancs rentrent dedans, c'est pas toute l'année, mais quand c'est dedans, là, ça peut être très fort. Ça peut être super à pêcher.
voice will echo me no far. Ruled by the laws above, nature shows me, makes me taught. Hey, t'as vu? Fais attention à tes dents. Merci. Ah, c'est un tout petit peu plus joli. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Allez, hop.